sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong. The grass should've looked greener. I'd be a true believer in disguise. If I'm loving you wrong, sure changing and receiving. Girl, you best believe in me behind. 'Cause I'm over easy tonight. Salut à tous. Eh bien, une journée de plus où il fait pas beau. Voilà. C'est triste, hein. Mais c'est comme ça, ces temps de saison. Et dire que dans 10 jours, c'est le printemps, quoi. Alors, le plafond est bientôt fini. Donc, ce qui voudra dire que on aura fait les 3/4 du camion. Ensuite, je ferme l'arrière. Donc, il va y avoir de la soudure à faire. Et quand l'arrière sera soudé, sera fini, les plaques ne devraient pas tarder à arriver, là. Donc il restera plus qu'à faire le sol, je pourrais mettre mon isolation, mes tasseaux et mes plaques en 11 mm en polyfond. Voilà, qui va arriver de chez contreplaquemara.com. Voilà. Et après ça sera bien déjà, ça sera bien. Donc là je suis en train de couper toutes les petites... comment on appelle ça? Vous savez, ces petites bavures qui servent à les emboîter les unes sur les autres. Mais comme moi je les insère entre les tasseaux, je suis obligé de couper ces petites bavures parce qu'elles m'embêtent. Non, bah ça c'est un truc, ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça sera toujours moins long que de poncer de la mousse expansive, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu un commentaire d'ailleurs qui m'a dit, pourquoi t'as pas mis de la mousse expansive comme t'as fait dans Captain? C'était marrant ça. Et j'ai répondu, parce que j'ai envie de vivre encore. Non, non, moi ça a été une très... C'est pas une mauvaise expérience, ça a été une expérience... Ouais, ça a été très dur. Très dur physiquement. Physiquement, ça a été très dur. Donc non, j'ai pas envie de recommencer, sachant que là, la caisse, elle est carrée. Et là, au final, on a quasiment le même matériau, sauf qu'il est en plaque. Alors, j'ai dit, allez hop, on va le faire à la main. Et puis, vous voyez, c'est déjà fini. Donc, au final, c'est quand même bien, bien plus commode à faire. Cela dit, ça aurait été plus simple, comme tout est plat, j'aurais pu mettre des guides et tout, mais non, 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 c'est bon. Wow. Tenir la machine à bout de bras, tout ça, ça a été super dur. Ça a été super dur. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste là à commander? On a commandé tout ce qui est réserve d'eau. Donc, on aura environ 500 litres d'eau. La moitié en eau usée. J'ai commandé les réserves d'eau usée, j'ai commandé les tuyaux, les colliers, qu'est-ce qu'on a commandé d'autre? La trappe pour venir remplir l'eau. Là, il nous reste à commander le chauffe-eau électrique. Il nous reste à commander aussi le chauffage. Je vais mettre un chauffage à air planar, donc ça, il faut que je le commande, à 4000 watts. Voilà, et après, niveau commande, ce sera bien. Après, voilà, à la fin, tout l'électroménager, on l'a déjà. Tout ce qui est meuble de cuisine, le meuble qui va être là-haut, et ben ça, on ira aller chercher au magasin à la dernière minute. Hein, on ira faire nos choix à la dernière minute en magasin. Le bac à douche. Et puis, ben voilà, après, c'est toute la plomberie. Tout ce qui est en électricité, j'ai eu beaucoup de questions aussi là-dessus, sur l'électricité. Je passe tout en apparent. Si on peut dire ça en apparent, en fait, je vais passer ça en cachet et pas derrière. C'est pour ça qu'on a tout plaqué. Ensuite, une fois que mes meubles seront quasiment posés, je passerai des petites réglettes et je viendrai alimenter, mettons, les chambres. La lumière du camion, ça va être un bandeau LED. Ça, c'est super bien. En plus, on peut régler la luminosité, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, vous ne verrez pas le départ. Ça va partir d'un côté, ça va aller jusque dans la douche, ça va revenir, voilà. Ça va aller dans la cuisine. Tous les endroits vraiment qu'on a besoin d'éclairer, on va faire ça avec ce petit panneau LED, avec la petite télécommande. Et ça, c'est vraiment pratique, ce qui fait qu'en haut, il n'y aura aucune réglette, en fait, vous ne verrez rien. Ensuite, il y aura des prises, il y aura peut-être 4 prises là-bas, ou 5, ou peut-être même plus, hein. Parce que nous, on a besoin de pas mal de prises avec le PC, tout ça. Les enfants auront un interrupteur avec une lumière, plus une prise dans chaque chambre. La douche, elle sera alimentée par le... Il y aura une lumière avec le panneau LED, voilà. Et ça passera aussi dans la cuisine, voilà. C'est vraiment un système, j'ai vraiment voulu faire un système hyper, hyper simple.
et on verra si ça fonctionne bien. Ensuite, s'il faut rajouter des points lumineux aux endroits qu'on a besoin, ben, je vais en rajouter un, je remets une petite réglette, puis voilà, tout simplement. Au moins, je sais où sont mes fils, je peux revenir bricoler dessus s'il faut de temps en temps. Et vu la peu de surface qu'on a, ça ne sert à rien de tout mettre en cachet derrière les murs. Parce que si jamais un jour on a besoin de venir faire une ouverture ou un passage, là j'ai tout fermé, mais si un jour on a besoin de faire un passage cabine, je sais que là je peux y aller sans souci, il n'y a rien derrière. Ça c'est prévu aussi pour, il n'y aura pas grand chose ici à cet endroit là, parce que si je dois faire un passage cabine, il sera là au niveau de la fenêtre de la cabine, la fenêtre arrière, ça sera juste deux portes. Ça sera deux portes étanches, on ouvre la première porte et on ouvre la deuxième pour aller dans la cabine. Ça sera vraiment une solution de secours s'il faut avoir un passage cabine. Il n'y aura pas de soufflet, pas de tout ça. Au moins, on évite plein de risques de fuite, de pont thermique. Donc du coup, là, je me garde un emplacement au cas où. Voilà. Ensuite, la fenêtre, elle est envoyée. On va recevoir dans la semaine, on reçoit la fenêtre de la porte. Donc on va pouvoir la monter aussi. Ça serait pas mal. Pas mal de choses prévues cette semaine. Donc ce qui veut dire que ce week-end, il y en aura pas mal de fait encore. Hein. Et ben c'est bien. Ça avance quand même pas mal en fait. Ouais, c'est pas mal du tout. En plomberie, ici, bah tenez, je suis en plein dedans là, voyez. Vous allez avoir la pompe à eau qui va être là-bas. Avec l'arrivée d'eau, la dépression et aussi le trop-plein. Tout ça, ça va être dans ce petit compartiment. À côté du coffret qui sera entièrement étanche, accessible de l'extérieur pour le gaz. Là, vous allez avoir la pompe à eau. Je pense que je vais mettre une pompe à eau 24 volts de bateau pour un souci d'encombrement. Le surpresseur, on en est super content, mais je ne sais pas si j'aurai la place de le mettre. Voilà. Donc, vous aurez la pompe à eau, surpresseur ou petite pompe 24 volts, peu importe, qui va partir d'ici. Donc, le tuyau sera entre guillemets noyé dans l'isolant. Vous voyez, c'est un isolant de 4 cm. Le tuyau, il doit faire à peu près 20 mm, donc il restera 20 mm d'isolant en dessous. Il part dans un meuble ici. Dans ce meuble-là, il y aura un chauffe-eau marin d'environ 15 litres qui peut fonctionner avec une résistance électrique ou alors avec un Webasto à eau ou alors avec votre circuit de chauffage du moteur. Ça, après, ça, le refroidissement du moteur, ça, c'est vraiment à décider après, quoi. Ensuite, de ce chauffe-eau, il y aura eau froide, eau chaude qui partent dans la douche. Donc, vous voyez, j'ai quasiment pas de distance. Et ensuite, un tuyau d'eau froide, un tuyau d'eau chaude qui part ici, noyé aussi dans l'isolant, qui vont jusqu'à l'évier de la cuisine qui sera ici. Voilà. Ces tuyaux-là et ce tuyau-là qui passe dans le sol, ils seront tous enroulés avec un petit serpentin chauffant branché sur le 220 qui se mettra en route à partir de 4 ou 3 degrés, je crois, pour éviter les risques de gel. Tout ça, c'est automatique. Voilà, je veux vraiment être sûr que ça gèle pas. Voilà pour la petite partie technique, électricité et eau. J'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. Donc j'espère que ça répondra à vos questions et vous verrez que si vous avez encore d'autres petites questions, on répondra vite à tout ça juste avec les vidéos, avec l'aménagement. Vous allez vite comprendre que c'est un aménagement qui se veut hyper simple, fonctionnel et très facile à réparer, vraiment pas complexe du tout. Même s'il va y avoir quelques points de complexité parce que je vais normalement mettre un Webasto à air, un planard, et aussi un Webasto pour le chauffe-eau. Je vais aussi prévoir un Webasto à eau pour le moteur, parce qu'on veut vraiment qu'il soit prévu aussi bien pour le chaud que pour le froid. Donc j'ai envie de pouvoir me poser, admettons, par moins 40 degrés et pouvoir démarrer sans souci et sans contrainte au niveau de mon moteur. Même si jamais mon moteur il a du mal à chauffer, je veux pouvoir avoir un chauffage qui prenne le relais pour aider le moteur à chauffer un peu plus. Et il y aura aussi un petit planard à air de 1800 watts juste pour la cabine. Comme ça, si les enfants ont envie d'être dans la cabine pour se regarder un petit film, pour jouer aux consoles, pour jouer au Lego, faire des constructions, de la pâte à modeler, de la peinture, tout ça. Même en hiver, ils pourront aller s'amuser dans la cabine parce que je vais leur faire une grande table en fait. Ça va être vraiment... ils pourront jouer à 4. La cabine, elle est super grande, en large. Je vais leur faire vraiment un truc assez grand, assez stable, avec tous leurs jouets en dessous leur siège. Et s'ils veulent faire des activités, ils pourront y aller en toute saison. Et ça, c'est vraiment un avantage avec cette cabine, c'est que c'est vraiment une deuxième pièce de vie. Voilà, tout ne se passera pas ici pour les enfants, ils auront aussi leur petite partie là-bas. Comme je disais aussi plusieurs fois dans d'autres vidéos, ils pourront aussi s'isoler quand ils ont envie de rester tranquilles, parce que ça, souvent, ils en ont besoin. Donc, on aura peut-être plus petit, mais au moins, ils auront vraiment une pièce dédiée à eux, où ils pourront s'isoler. Et ça, c'est vraiment un plus. Allez, je me remets au boulot, assez parlé. Thank you.
On s'est arrêté chercher un petit peu de matériaux là sur la route. Et là, je passe à côté d'un magasin de fêtes. Et je vois le déguisement, je sais pas comment il s'appelle, vous savez, le tout poilu là, dans Star Wars. Je vais voir Charlotte, je dis, oh là là, j'ai vu un déguisement, je me vois trop avec. Elle dit, ouais, mais c'est des dépenses inutiles. Je fais, ouais, c'est clair. Mais c'est des dépenses qui font plaisir. Et c'est ça qui est cool. Et du coup, elle est partie voir. J'espère qu'elle va pas le prendre, elle en serait capable. Non. Comment il s'appelle ce bonhomme-là? Il était trop réaliste. Je me voyais dedans, en train de marcher, danser comme ça, dans le style. Ouais. Il y a des trucs comme ça qui me viennent, moi, faut que j'arrête. Ou alors, faut que je continue. Alors, t'as été voir? Oui, je suis allée voir. Ouais, bah ça restera un rêve. Pourquoi? Ce sont des mascottes, donc Star Wars. C'est Chewbacca. Chewbacca, voilà, c'est ça. Et il dit un prix. Et il ne sait pas à vendre? Bah si, mais elle a dit si, c'est à vendre, mais je pense pas que vous mettrez ce prix-là pour l'acheter. Tu vois que... Je vois des trucs, tu vois, quand c'est un déguisement de merde. Mais quand tu vois un truc comme ça, je dis non, mais là, c'est pas possible, il est trop réaliste, le truc. Ouais, bah, dis un prix. Je sais pas, 200 euros, hein? 300. Hein? Non, tu peux monter. Arrête. Tu peux monter. 500. Tu peux monter. 1000. Ouais, 1000 balles. 1000 balles pour Chewbacca? Ouais. Elle dit, je dis, mais... Ouais, mais il est trop beau. Elle me dit, vous pouvez l'acheter, mais 1000 euros dans un déguisement. Voilà. Et alors, on fait ce qu'on veut? Ouais. Si on a envie de mettre 1000 euros. Moi, j'ai pas envie de mettre 1000 euros. Non, mais t'as vu comme il est réaliste, ouais, le truc. Ouais. On dirait que c'est le vrai Chewbacca dans Star Wars. Je l'ai regardé de près, j'avais l'impression que ça allait me faire. Ouais, mais ouais, ça fait trop ça. Oh, putain, la vache. Font des blagues des fois dans la Pourquoi c'est aussi cher? Je me voyais trop faire peur aux petits enfants comme ça là-bas. Ah, c'est tout. 1000 balles. La preuve que j'ai. Tu vois, ça a attiré mon œil. J'ai dit, ça, c'est pas un déguisement de merde. Bah, la preuve. Il y avait d'autres déguisements Star Wars, mais il y avait pas Chewbacca. Tu avais le truc nul, tu sais, t'as l'impression que tu étais sur un poney. Là. Yeah, yeah, ça, ouais, c'est nul, ça. Et je vois lui à côté, Chewbacca. Je vois la vache. Bon, bah, ça restera un rêve. Non, mais t'es sérieux, il y a un bout de papier en dessous. Mais tu vas pas le manger? Mais il se mange, le papier. Mais n'importe bah, quoi. Bien sûr. C'est sérieux. Hein, c'est vrai. N'importe quoi. Bon, et eh bien voilà, nous sommes rentrés. On a emmené les pneus au magasin de moto. On a été faire changer notre machine à laver. C'est ça? On va récupérer la bonne, tout ça. Et puis bah là, voilà, on se remet au boulot. Donc les pneus, oui, je sais, il y en a qui ont dit, ah, pourquoi tu fais pas changer au magasin? Parce qu'ils trouvaient pas de pneus au magasin pour ma moto. Bah oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, non. Ils trouvaient pas de pneus. Hein, c'est vrai? Ils travaillent qu'avec une seule marque de pneus, c'est ça? Enfin, j'ai pas compris. Enfin, bref, c'était trop mais on peut pas avoir de Michelin, on peut pas avoir de Dunlop. Je dis, bah, c'est quoi ce bordel? Donc, du coup, bah, on a commandé les Dunlop. Et les autres qui étaient déjà dessus, ils disent, ah non, c'est de la marque, c'est faut pas prendre ça. Ouais. Enfin, vraiment bizarre, et étrange. Même notre taille, ils la trouvaient pas, en fait. Non, ils trouvaient pas les pneus. Ouais, ouais. Moi, j'ai été sur. Ils trouvaient ça en 2 secondes. Enfin, bref, voilà. On leur a apporté les pneus, ils vont les changer, équilibrer la chante, ils sont en train de remonter les pots d'origine parce que bah, moi j'avais pas le temps de le faire. Et on la récupère normalement la semaine prochaine. Voilà. Donc là on continue tout ça. On a isolé, ça y est, en stérodur, ça a séché, c'est bien. Et puis bah, maintenant il faut que tu mettes pour poser la plaque. Ah, t'as mis le stérodur, d'accord, ouais. J'avais pas vu tout à l'heure. Okay. Ah, j'ai mis le stérodur. Pendant que j'étais pas là, quoi. Je vais me la faire. Là. Et j'ai mis, faut que tu m'aides à mettre la plaque. Tu vises ou je... Bah oui, tu vises et moi je tiens la plaque. Tu vises vraiment 2-3 vis comme ça à l'arrache. Ouais, comme d'hab. On aurait dû avoir un lève-plaque, ça aurait été bien. Super. C'est bon, tu vois où sont les vis, ça. C'est celle-là. Petite visseuse, ok, voilà. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Ça va, il est 19h. J'ai le temps de remettre des T'as tasseaux. T'as une heure le temps que je fasse à manger. Ouais, je vais remettre, ben, tous les tasseaux, comme ça, ils seront collés pour demain. Et puis demain, tac, tac, on finit ça. Au matin, après-midi, je commence le quadrillage. Comme ça, ça sera prêt. On ne pourra plus trop passer par là. Il faudra passer entre les barres. Ben, on passera par là. Ben oui, je suis con, on a une porte. À tout à l'heure, poupée! À tout à l'heure, mon poupée. Ah, d'accord.
Bon, bien voilà, ça se termine gentiment. Il y a Mika et Caro qui sont venus nous dire bonjour. Regardez, ils sont là. Voilà, il est toujours en train de boire du panaché. De toute façon, on lui fait que ça. Il me reste plus qu'un tasseau à monter ici. Et je vide tout le camion. Et ensuite, je commence à faire mon quadrillage. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Il est temps. T'as qu'à le faire si t'es pas contente. Ah, pas c'est facile de critiquer, hein? Sans arrêt. J'ai aquaponé. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, donc je vide tout et je commence à souder tout le quadrillage. Et là, ça sera fini comme ça. Il ne manquera plus qu'à isoler le plancher et attendre le bois pour poser le plancher et aussi l'arrière. Comme ça, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà, une chose à rajouter? Non. On regarde le chef faire. Ouais. Ouais. On regarde le patron. Alors, ça vous inspire quoi? Ça sent bon. Ouais. Ouais, ça sent le bois? Ah, bah c'est clair, ça sent super bon. Et sinon, à part ça, ça fait haut? Haut. Ils ont trouvé ça haut. Aussi, ah oui, haut, en fait. Ouais. Putain. Parce que j'ai dit ouais, je dis haut. Oh. Hein? Oui, ça fait haut. Oh. J'arrive pas. Dans le Nord, on dit une rose. Ouais. On dit pas une rose. C'est pas possible. Tu trouves qu'il y a du boulot de fait, toi? Bah, il n'y a pas grand chose. Hein. Non? La caisse est toujours là. Ouais, il y a beaucoup de boulot en dehors, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça leur a paru haut. La caisse, elle est haute. 1m60 du sol. Mais plus petit en vrai, ils ont dit. Bah, on ne lui disait pas pareil avec Captain, que ça paraissait plus grand en vidéo. C'est exactement pareil. Peut-être. Ouais, je le voyais plus grand. En fait, tu en... Ouais. Oh, bah, dis pas ça déjà qu'ils vont se dire. Est-ce que la tienne, tu la voyais plus grande ou. La tienne. La mienne. La tienne. Le fieragon. La caisse. Avec beaucoup. La caisse non. Du camion, en précis. Oui, ma caisse. Mais oh, ta caisse à toi. Oui. Elle fait combien? Du camion. Bah oui. Bah, elle fait 4,50 c'est le panache. De long. Elle fait 4,50 ouais. Ah, donc bon, tu vois, t'en as une plus longue que moi. Bah oui. Mais en largeur? Bah, 1,85. Ah, voilà, la mienne est beaucoup plus large. Ouais. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais. Et la hauteur? Je n'ai pas 2,15. 2,15, ouais, on est quasiment pareil. Donc, je suis juste un peu plus large que toi. Ouais. Plus de largeur, ouais. 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 Bon, on va arrêter, couper là, ça part. Bon, et bien voilà, ça y est, regardez, c'est tout bien rangé. Hop, vous voyez, c'est tout nickel. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais commencer à souder déjà la barre du bas et la barre du haut. Et on va voir comment ça se passe. Bon, on va voir si ça se déroule bien. Voilà. Donc j'avais déjà tout peint en anti-rouille, donc je vais uniquement poncer les endroits où je vais souder. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Et ensuite, je viendrai fixer les renforts comme ça. Après, il faudra tout peindre. Et une fois que ça s'est préparé, ben voilà, j'ai plus qu'à attendre le bois. Le bois, normalement, il arrive en un seul morceau. Paf, on vient le visser de l'intérieur et le coller. Il sera vissé-collé. Vissé, collé, voilà, de l'intérieur. Et bien voilà, je vais mettre à souder ma barre. Alors, je soude avec ça. C'est un petit poste à l'arc que Charlotte m'avait offert pour un anniversaire il y a super longtemps. Il n'y a aucun placement de produit, je tiens à le préciser. Pas de pub, rien du tout, pas de partenariat, hein, bien sûr. C'est uniquement un petit partage que je vous fais pour vous. C'est un McAllister qui fait 160 ampères. Et il peut faire torche TIG aussi. Vous pouvez mettre une torche TIG si vous l'achetez avec une petite bouteille de gaz exprès. Et ça fait aussi torche TIG. Moi, je m'en suis servi uniquement à l'arc. Et je peux vous dire que j'en suis super, mais alors là, super content. Il est tout petit, c'est un modèle inverter, c'est pour ça qu'il est aussi petit. Il prend pas de place et il a quand même 160 ampères de puissance. Donc autant vous dire que quand vous le mettez à fond, ça dépote et il y a plutôt intérêt à avoir de l'ampérage derrière. Donc voilà, petit partage, ça, c'est du super matos. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le conseille. Droit d'auteur. voilà, j'ai commencé à souder la barre du bas. J'ai fait aussi la barre du haut. Et je sais pas pourquoi, mes soudures, elles sont dégueulasses. Donc, de toute façon, c'est toujours ça quand on soude une barre neuve avec un vieux métal derrière où il y a de la peinture par derrière. J'ai l'impression que ça soude mal. Donc, j'ai réussi à m'arranger quand même. Donc, ça y est, celle du bas, celle du haut, elle est soudée. J'ai fait des renforts au milieu.
Et dans la prochaine vidéo, je vais commencer à souder les côtés. Donc je sais plus combien j'ai de barres exactement. C'était pas évident quand j'étais chercher les barres la fois dernière de vraiment tout calculer au centimètre. Donc je sais plus ce que j'avais prévu. Mais il faut absolument que j'en mette ici parce qu'il faut que la planche de 20 mm elle vienne en appui. Donc je vais être obligé de remettre une barre à gauche, une barre à droite. Et je crois qu'après il me reste juste deux barres. Donc je pense que j'en mettrai une ici et une là. Ça sera largement suffisant, sachant que ici c'est du 25 mm. Les côtés, il n'y a aucun renfort. Donc moi déjà avec mon cadre, plus mes deux renforts au mieux, je serai largement bon. Sachant qu'il n'y aura rien qui sera fixé dessus. Que le porte-moto il soit fait avec une chèvre sous le côté ou alors avec deux grandes barres ici qui coulissent avec le porte-moto en dessous. De toute façon, il n'y aura rien de fixé sur cette planche. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me conseiller parce que je ne sais vraiment pas me décider. Si je fais un palan qui vient ici, jusque là, donc avec les axes ici et ici, que je pourrais bouger en fait, je viens chercher ma moto, je la lève et je la pose sur le porte-moto qui est fixe. Ou alors, faire un système avec des U inversés et puis à l'intérieur, un genre de mât, comme un peu un chariot élévateur, un genre de mât qui descend jusqu'en bas pour mettre la moto dessus, je l'accroche et je la relève. Voilà, donc chaque système a son avantage et son inconvénient, mais j'arrive pas à me décider. Il y en a un qui est plus léger, mais moins pratique, mais en même temps, on pourrait s'en servir pour soulever d'autres choses. Et il y en a un qui est vachement pratique parce qu'il descend directement, on attache la moto directement au sol, et ensuite ça remonte. Mais c'est un système qui est un peu plus complexe à faire, et ça va être un peu plus lourd, et ça aura uniquement l'usage de soulever la moto, c'est tout. Je pourrais pas m'en servir comme un palan. Voilà, après, à voir si le palan, à voir si c'est vraiment utile aussi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus, donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas, je suis preneur. Alors j'espère que pour la vidéo de samedi, ça sera fermé, et que j'aurai pu mettre mon plancher aussi, mon isolation, mon plancher, et ça fermé, et vraiment, je me sentirai mieux, ça voudra dire qu'on peut enlever la bâche, parce que j'en ai ras-le-bol de la bâche, et je pourrais aussi mettre ma fenêtre de porte. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, je le répète encore, mais il y a plein de petites choses que vous n'allez pas voir, et quand on veut vous tenir au courant, on vous tient au courant sur Instagram, c'est plus pratique. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, si vous n'avez pas de compte, bah, vous serez obligé d'en créer un. Et voilà, abonnez-vous, mettez des petits pouces et prenez soin de vous. Bye bye. Sérieux, qui c'est qui va manger dans ma cuisine? Quoi, dans la cuisine de Jean-Philippe? Hey, Jean, c'est n'importe quoi. On aura tout vu. Allez, bonne soirée à vous.